C'est sous les ailes de l'hippocampe. Donc un nouveau livre, 6 minutes 23, paradis. Mais avant. Ici, on est à la montagne. Vous reconnaîtrez peut-être le sommet au cours de différents. C'est très rapide. Un peu à la bourre tout à l'heure sur l'ordi. Donc... On va parler du livre. On va fermer la cacher, éteindre la lumière. On va lancer ça tout de suite. Donc, comme vous l'avez compris, François Suchet, si vous n'avez pas compris tout de suite, on n'a pas précisé. Et donc, oui, j'aime les petits post-it, c'est le passage que je vais lire. Le vol long courrier est l'essence même du. Les virtuoses du manche à balai me pardonnent, mais parvenir à Hong Kong, Rio de Janeiro ou New York a une autre allure que d'atterrir à Montpellier, Nantes ou Bordeaux. En aviation comme ailleurs, rien de tel que le mot, le parfum des mots pour vous enivrer. Le voyage commence par un juste agencement des lettres. Si le long courrier m'a toujours intéressé, ce n'est pourtant pas pour collectionner les aéroports à particularité, mais parce qu'il est beaucoup plus exigeant que le moyen courrier. L'avion a une masse maximale au décollage, une masse maximale à l'atterrissage et une masse maximale sans carburant. Ces trois limites fondamentales sont souvent atteintes sur les vols long courrier.
Les emports de carburant sont parfois contraints, les réflexions en équipage sur la charge marchande fréquentes. Et nous ne mesurons toutes les conséquences de nos décisions que 10, 12, voire 15 heures plus tard, sur une durée aussi longue, les prévisions météo ne sont pas toujours très fiables. En long courrier, l'hiver nous accueille en plein été. Lorsque nous décollons à destination de l'hémisphère sud, le vol suivant, nous nous envolons pour les tropiques où des cyclones peuvent sévir. Nous survolons tout ce qu'il y a de plus inhospitalier pour l'homme, les océans, les déserts, les glaces, quand il ne s'agit pas de pays en guerre comme l'Afghanistan. Nous traversons le front intertropical dont le sommet des masses orageuses nous dépasse. Nous tutoyons les pôles sans repère magnétique. Nous sommes fatigués, sous-entraînés, ne totalisant parfois qu'une poignée d'atterrissage dans les 3 derniers mois. La réglementation en impose au minimum 3, ce qui est bien peu. Bref, le long courrier est beaucoup plus dangereux, vicieux que le moyen courrier, et donc, à mes yeux, plus gratifiant. Veilleur de nuit me convient mieux que chauffeur de bus. Je préfère un long effort soutenu à une vie faite de saccades répétitives. Un espace symbolique où projeter mes rêves plutôt qu'un lieu de travail, fût-il le plus beau bureau du monde. J'aime les travelling de cinéma et pas le zapping. Nous pourrions finalement résumer le fossé séparant les deux activités en une phrase. Sur moyen courrier, on dort toutes les nuits dans un lit. À l'horizontale, dans une chambre d'hôtel, ou chez lui, le pilote moyen pour courrier garde le sommeil, qui est son bien le plus précieux. Assis sur le siège d'un gros porteur, accablé pour le décalage horaire, le pilote au long cours le perd. Mais cet effort n'est pas vain. Il verse ainsi son tribut pour assister au grand spectacle du jour et de la nuit. Source infinie d'émerveillement, pour qui voit dans cette récompense la juste compensation de son vieillissement prématuré. Donc, on comprend déjà un peu oui, la différence. Une entrée directe. Donc oui, le long courrier et le courrier sont deux activités assez différentes du métier, sont les mêmes. Voilà, ce que pour introduire un petit peu les choses, c'est j'ai voulu faire ce livre « L'aviation » raconté par Saint-Exupéry Kessel en fait que l'aviation d'aujourd'hui parfois jalousée, dénigrée dans certaines comme on a connu par rapport à certaines idées reçues sur la pratique du métier, finalement, voilà, piloter un avion. Donc, j'ai parlé aussi, à travers la sélection des incidents qu'il y a dans ce livre, du monde d'aujourd'hui, puisqu'en fait, le métier de pilote est au cœur de beaucoup d'enjeux, de beaucoup de problématiques du monde moderne, que ce soit des problèmes liés à la géopolitique. Il y a un incident que je décris, et qui raconte comment un avion a fini par se poser à Damas en pleine guerre syrienne. D'autres incidents liés aux problèmes de migrants, de reconduits frontières, des vols qui ne sont pas toujours très bien terminés. Il y a la problématique technologique. C'est vrai qu'on est de plus en plus envahi par la technologie, où souvent on remplace le langage par des acronymes, donc on a besoin un peu du dictionnaire pour apprendre ces nouveaux acronymes qui tombent sans cesse. Des enjeux de santé et puis les enjeux humains, parce que voilà, c'est un métier profondément humain, et d'ailleurs le livre commence par là, et c'est aussi ce qui a justifié le titre. C'est un incident que je décris où j'ai été amené à reprendre les commandes à un commandant de bord quand j'étais tout jeune copilote. Comme je disais dans une interview où à l'époque on me donnait des biberons de chocolat chaud pour le goûter, parce que c'est vrai que je faisais très jeune, et donc cet événement a marqué ma carrière, et il est lié à un problème de communication entre les deux pilotes. Voilà, la manière dont fonctionne l'équipage, dont se construit l'équipage est fondamentale, et si on n'arrive pas à bien communiquer, à bien se parler, il faut pas, ça ne veut pas dire être copain, mais ça veut dire savoir se dire les choses au moment nécessaire. Et donc voilà, ça peut avoir des conséquences potentiellement dramatiques. Donc c'est tous ces éléments-là et tous ces différentes pistes, en fait, ces différents gisements d'exploration de ce métier qui est passionnant, que j'ai voulu, dont j'ai voulu parler dans ce livre.
Mais voilà. C'est super intéressant. Enfin bon, alors, déjà on a compris que tu étais dans les longs courriers. Oui, alors enfin, j'ai fait beaucoup de longs courriers dans ma carrière. Après, je suis revenu sur moyen courrier. En général, on commence pilote moyen courrier sur ce qu'on appelle un avion de base. Parce que le moyen courrier, on pilote beaucoup plus. Donc c'est vrai que pour apprendre le métier, c'est quand même mieux. Voilà. Et puis aussi, c'est ce que je dis, c'est quand même plus entre guillemets sécurisant parce qu'en Europe, il suffit de se pencher par la fenêtre quasiment pour trouver un terrain où se poser. Voilà, en long courrier, il faut anticiper beaucoup plus. Parce que si on n'a pas de moteur au-dessus de la Sibérie, il vaut mieux avoir réfléchi un petit peu avant où est-ce qu'on va pouvoir se poser. Donc on commence copilote moyen courrier, ensuite on fait du long courrier, enfin ceux qui veulent, après c'est des choix en tant que copilote, et puis quand on passe commandant de bord, en général on revient sur moyen courrier, voilà. Et après on passe commandant de bord sur long courrier. Donc là en fait je suis un peu entre deux, je suis en qualification en ce moment sur Boeing 777 pour passer commandant de bord long courrier. Voilà. Bien. Je viens du moyen. Bien. Quel que soit l'outil emprunté pour s'envoler, le pilote devra immanquablement revenir sur Terre. Dans cette mission sans échappatoire réside la noblesse du métier. Si l'on y réfléchit, bien rares sont nos actions dont l'issue est obligatoire, quelles que soient les circonstances. On peut toujours reporter une réunion ou annuler un projet, mais pas un atterrissage. Le pilote en tire son orgueil, qui le rend incapable parfois d'exister sans son avion. Qu'est-ce qu'un pilote au sol? Un homme comme un autre, avec la gueule de bois. Un marin au port qui a le mal de terre. L'albatros malhabile du poème de Baudelaire. Son retour au nid encore bercé par les voluptés célestes, tout à son illusion, de puissance, s'accompagne souvent de maladresse et d'incompréhension. Exacerbé par la fatigue et le décalage, mille petites choses du quotidien déplaisantes pour tous, mais insupportables pour lui, rappellent à l'oiseau déchu que la vraie vie est en bas, que le temps de vol n'était qu'une parenthèse éblouie. Une femme l'a attendu, a souffert de ses absences, a élevé ses enfants. Un pilote de ligne sera toujours écartelé entre ciel et terre. Une torture douce qui rend sa vie bancale et fait de lui un joyau déraciné. Le symbole absolu de cette nécessaire reconnexion au monde porte pour moi un nom. YBL, prononcé Yankee Bravo Lima. Il s'agit d'un repère très personnel qui n'a de vertu qu'à mes yeux. Chaque pilote doit cependant trouver le sien pour ne jamais oublier qu'il est né et qu'il mourra sans elle. Pour éviter que la retraite n'assèche son âme, ne fasse de lui un nain désorienté, accablé par la découverte de la gravité. Yankee Bravo Lima est une balise radioélectrique indiquant aux avions un point de virage au sud du désert de Gobi. Je l'ai maintes fois survolé en reliant Canton à Paris avant que je n'assaille l'irrépressible désir d'aller la voir physiquement. Oui, ça c'est un petit clin d'œil à mon précédent livre, justement aux éditions Guérin, sous les ailes de l'Hippocampe, qui raconte ce périple à vélo en suivant la ligne aérienne du vol de Canton à Paris. Voilà, un voyage qui avait duré 2 mois et qui m'a permis justement de reconnecter un petit peu avec la Terre, puisque c'est vrai que ça c'est une problématique importante dans le métier de pilote, c'est ce côté un petit peu déconnecté. Parfois on peut être un peu à côté de la plaque et être de passage, non seulement dans les escales, mais aussi chez soi, ce qui est plus problématique. Et donc je pense après la difficulté c'est de ne pas peut-être se complaire dans cette partance permanente et d'arriver à trouver le juste équilibre. Mais c'est vrai que la vie en rotation, à partir du moment où on part et puis qu'on décolle, qu'on fait le vol, on part pendant plusieurs jours, il y a une escale qui dure 1, 2, 3 jours, et puis on revient, c'est une espèce de vie artificielle, une vie à paillettes, entre guillemets, et artificielle. On est pris en charge, on est dans des beaux hôtels, on est un petit peu en dehors des réalités du quotidien. Donc c'est vrai que quand il faut revenir et qu'il y a la fuite sous l'évier, il y a le petit qui est malade, il y a toutes les petites tracasseries qui font partie de la vie, mais qu'on a complètement mis de côté pendant l'exercice de notre métier, la reconnexion est parfois difficile. Il y a des gens qui ne reconnectent jamais vraiment quoi. Voilà. Donc l'expérience de ce voyage, ça a été pour moi... Bon, c'était aussi un désir d'aventure, de mettre en cohérence des aspirations et puis peut-être ma vie réelle. Mais il y avait aussi ce sens de reconnexion au monde.
Voilà. Donc ça, c'est dans un chapitre qui s'appelle « Les secrets de l'Albatros », je crois. Et qui décrit justement ce lien entre le ciel et la terre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai voulu faire aussi dans le livre. C'est peut-être voir un peu ce qui reste de Terre des Hommes, par exemple, qui à l'époque de ce récit, Saint-Exupéry décrit des choses qui ont énormément changé. Mais il y a aussi d'autres choses qui restent toujours d'actualité par rapport, en tout cas, au ressenti quand on est pilote, de cette, en même temps, cette distance et cette proximité avec les hommes qu'on ressent, enfin, cette nécessaire proximité et en même temps, parfois, cette déconnexion. Donc, tout ce rapport entre le ciel et la terre, j'essaye de développer un peu dans ce chapitre. À Air France, nous sommes aujourd'hui environ 15 000 pilotes. Et nous nous découvrons à chaque vol. Le copilote m'est parfaitement inconnu et réciproquement. Dès la préparation des vols, des conventions implicites nous obligent les uns envers les autres afin de briser la glace. Il est bien rare de quitter la salle du briefing sans avoir posé les deux questions d'introduction immuables. Où habites-tu? Et d'où viens-tu? Quel est ton parcours professionnel? Le tutoiement est de rigueur. Les réponses à ces questions nous situent immédiatement même si nous en savons guère plus sur la personnalité de notre collègue. Ancien militaire expérimenté, jeune cadet sorti de l'école de pilotage, pilote civil venu d'autres compagnies, mon positionnement ne sera pas tout à fait le même en fonction du profil. Être à l'aise en toutes circonstances requiert une grande adaptabilité qui s'émousse avec l'âge. J'éprouve parfois une lassitude à faire la causette pour le bien du cockpit. Cependant, sans ces quelques échanges convenus, un silence pesant peut s'installer. Dans le cockpit, mon expérience m'amène à distinguer deux types de silence, d'une texture opposée, le silence léger et le silence pesant. Le premier est le fruit d'une communion de l'esprit. Il advient naturellement lorsque deux êtres sont en harmonie. Il n'est pas une absence de communication, mais plutôt une communication par le silence. La concentration peut en être la cause, comme en approche, lorsque les conditions météorologiques mobilisent toute l'énergie de l'équipage. Un silence serein, peut-être, peut aussi succéder à des échanges enrichissants. C'est alors un silence de contentement, une forme de digestion intellectuelle, une nécessaire alternance comme le veut le sommeil succède à l'éveil et le soleil à la pluie. L'émerveillement, la contemplation provoque un silence heureux. La fatigue, un silence triste. Ces absences de mots au sein de l'équipage n'empêcheront jamais celui-ci de réagir correctement aux alarmes ni de communiquer dans le registre technique. Le silence pesant est l'ennemi de la sécurité des vols. Absence d'affinité, distance, voire acrimonie en sont les possibles causes. Une communication défaillante s'instaure. D'abord, on ne fait que les strictes annonces techniques. Puis, lancé sur cette mauvaise pente, on ne dit plus du tout ce que l'on fait. Dans un cockpit, chaque bouton touché doit être annoncé. Chaque information perçue par un membre d'équipage doit être partagée. Chaque pilote doit vérifier les actions de l'autre et les corriger si nécessaire. Or, le silence pesant est rempli de sous-entendus, de non-dits, voire de griefs. Il est lourd des mots que l'on n'a pas prononcés, soit par faiblesse, soit par paresse. Dans le bruit et le silence se construit donc l'équipage. Une subtile alchimie au service d'un léger déséquilibre aujourd'hui, un bon cockpit doit pencher à gauche, là où est assis le commandant de bord, mais pas trop. Si son autorité est juridiquement établie et réglementairement reconnue dans tous nos textes, la manière de l'exercer a changé. Les temps des monologues et des ordres abrupts sont révolus, mais tout aussi néfastes sont les sous-entendus. Nous sommes trop nombreux pour nous payer le luxe de chercher dans les yeux de l'autre la réplique de notre pensée. L'équipage, comme l'entendait Kessel, cette entité morale, cette cellule à deux cœurs, deux instincts qui gouvernaient un rythme pareil, n'est plus. Nous avons donc imaginé des solutions. Dans la prise de décision, le moins expérimenté parlera toujours en premier de manière à ne pas subir l'influence de celui qui a déjà sa petite idée, mais n'a peut-être pas pensé à tout. En évitant toute remarque pouvant être perçue comme un reproche adressé à notre binôme, « tu n'as pas fait ceci », nous parlerons à la première personne. J'essaye de penser à faire ceci pour inciter l'autre à suivre notre exemple. Le chevalier du ciel s'est allongé sur un divan. Il est devenu expert en gestion de ressources. Ça, c'est génial. Oui, silence, bah oui, parce que ça, c'est très important, l'équipage, parce qu'évidemment, l'homme fait des erreurs et fera toujours des erreurs.
Là, je développe un peu sur un autre sujet, mais c'est... Et donc, la manière, justement, d'essayer de corriger nos erreurs quand on en fait, c'est justement d'être en équipage. Et donc, la manière dont va se construire l'équipage est primordiale. Chaque machine a son langage, les avions ont leur langage. Ils s'adressent à nous par des alarmes visuelles, sonores. Différents types d'alarmes, différentes couleurs, tout ça est codé et a des significations différentes. Et puis, il y a aussi, bien sûr, les bruits et les silences du cockpit. Il y a aussi des gens qui sont très bavards et qui parlent beaucoup dans le cockpit. Et au bout d'un moment, c'est vrai que ça peut être saoulant, surtout quand ils réapprennent l'aviation, comme ouais. Ça m'est arrivé quand j'étais jeune aussi. Bon, là, maintenant, un peu moins. Mais voilà, ça, c'est vrai que c'est très important. Et donc, le petit incident, enfin, qui aurait pu être un gros problème dont je parle au début du livre, 6 minutes 23, donc c'est le temps qui a séparé le début de descente, lors d'un vol que j'ai fait vers Zurich, au moment où je reprends les commandes à un commandant de bord, qui à l'époque, je pense, m'avait un petit peu catalogué, il m'avait mis un petit peu dans une case, parce qu'on avait fait un vol auparavant, où j'avais ouvert un bouquin, je préparais un voyage sur la Patagonie, et donc ça lui avait pas plu que j'ouvre ce livre dans le cockpit et que je lise quelques pages. Et donc je pense qu'il s'était un petit peu fait une idée sur moi, et il me l'avait fait remarquer. Et donc pour ce deuxième vol qu'on a fait trois mois plus tard, évidemment moi je me sentais un petit peu dévalorisé, je pense, un petit peu rabaissé. Et donc je l'ai vu commettre une erreur dans son calcul du point de descente, c'est-à-dire le moment où on quitte la croisière pour faire descendre l'avion. Et je suis intervenu plusieurs fois, mais peut-être un peu trop timidement. Et la troisième fois qui a été la bonne, où là il a pris conscience qu'il s'était trompé, on avait déjà dépassé notre point de descente depuis un long moment. Voilà, parce que l'avion, lui, il avance. Chaque minute, il fait 15 km. Et donc, chaque minute perdue, une minute qui peut nous coûter cher. Et donc, quand on a passé le point de descente et qu'on se met à descendre pour essayer de rattraper ce plan, puisqu'on arrive vers l'aéroport, on s'inscrit un peu dans un entonnoir, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de tâches qui se concentrent au même moment, qui se cumulent les unes aux autres et qui finissent par nous saturer. Et cognitivement, au bout d'un moment, tous, on atteint un certain degré où on ne peut plus gérer la totalité des informations. Et à ce moment-là, on en oublie. Il y a des choses qu'on oublie. Et là, en l'occurrence, on a oublié de changer le calage des altimètres, qui est la référence, en fait, de l'altitude de l'avion. Hein. Notre altimètre, il nous donne notre altitude, mais en fonction d'une certaine référence. Quand on est en croisière, on a une certaine référence, et quand on arrive sur un aéroport, on a une autre référence qui correspond à la pression de l'aéroport où on va se poser. Et donc lui, il était resté dans le calage standard qu'on utilise pour la croisière. Moi, j'étais passé au calage local, mais donc nos deux altimètres n'indiquaient pas du tout la même chose. Voilà. Et donc, on est passé en dessous de l'altitude de sécurité. Dès qu'il y a du relief, hein, il y a toujours une altitude planchée en dessous de laquelle il ne faut pas descendre, puisqu'après, il y a une certaine marge, évidemment. Hein, l'altitude de sécurité, elle préserve une marge par rapport aux montagnes. Mais bon, voilà, quand on descend comme une balle à travers l'altitude de sécurité, on approche très vite du relief. Voilà, donc c'est dans ce contexte que je vous explique pour vous dire que cette petite anecdote qui paraît complètement anodine sur un livre sur la Patagonie, eh ben, aurait pu se terminer en première page de Paris Match. Ça tient à peu de choses, mais... Ça peut tenir à peu de choses. Bon, après, évidemment, il y a des barrières. Hein, donc, pour en revenir à l'erreur, on met en place différentes barrières qui, si jamais une erreur est franchie, qui permet de la détecter à un moment donné. C'est ce qu'on appelle les plaques de Reason. Mais là, sur ce vol, on en a franchi un certain nombre, dont une qui s'appelle la checklist approche, qu'on n'a pas faite justement parce qu'on était dans l'entonnoir et qu'on était tous les deux saturés par la quantité de tâches qu'on avait à faire. Et donc voilà. Après, il y avait encore une autre barrière qu'on n'a pas atteinte, qui est ce qu'on appelle l'alarme de... Il y a une alarme au poste quand on approche le relief, et où on a à peu près 30 secondes pour réagir. Voilà. Donc on n'a pas entendu cette alarme, qu'on aurait entendue si on avait été un petit peu plus bas. Donc j'ai repris les commandes avant qu'on entende cette alarme. C'était la plaque de Reason ultime, on va dire, avant le relief. Vous êtes un peu comme des cordées d'alpinistes, en fait, avec le commandant de bord, le copilote, mais sauf que vous ne choisissez pas avec qui on s'encorde, quoi. C'est ça le problème. Voilà, tout à fait, oui, on ne choisit pas. Alors c'est vrai que, ben, par exemple, hein, Mermoz, lui, quand il traversait l'Atlantique,
il choisissait que des gens en qui il avait confiance. Il connaissait ses coéquipiers. Bon, nous, évidemment, on est beaucoup trop nombreux pour choisir ceux avec qui on vole. On part du principe que tout le monde a les mêmes compétences, ce qui est vrai globalement. Évidemment, il y a des gens qui peuvent être excellents, d'autres qui peuvent être un peu moins bons, comme tout le monde. Mais il y a un niveau, en tout cas, plancher qu'on est tous, qu'on a tous. Après, oui, il faut... Alors, c'est un métier un peu particulier parce qu'en même temps, on part du principe que l'autre est compétent, mais dans nos process, on vérifie quand même ce qu'il fait. Voilà. Il y a certains boutons dans l'avion, ils sont irréversibles. Quand on y a touché, on ne peut pas revenir en arrière. Il y a des boutons, si on se trompe, on le repousse et puis voilà. Mais il y a d'autres boutons, c'est définitif. Donc, ces boutons-là, il faut être sûr qu'on touche le bon. Ça a l'air bête comme ça parce qu'on est tranquillement dans une salle, voilà. Mais quand on est dans un avion... Et c'est pas du tout la même chose. Dans une situation de stress, on peut vite se tromper de bouton. Et donc, c'est pour ça qu'on est tout le temps en train de se cross-checker, on appelle ça, vérifier. Vous êtes que deux, en fait. C'est ça qui, moi, qui m'impressionne, c'est qu'il y en a un qui est défaillant, qui a un problème de santé, comme tu le racontes à un moment donné. Tout à fait. Alors, je décris un incident aussi dans le livre. Un chapitre qui s'appelle « Une fulgurante ascension » où un steward est appelé au cockpit parce que le commandant de bord a une crise de colique néphrétique, il n'est plus en état de piloter l'avion. Alors ça, c'est vrai que les gens ne le savent pas, mais ça arrive une fois par mois à Air France. Pas forcément un pilote, mais ça peut être un membre de l'équipage de cabine. Mais on va dire que pas que Air France, évidemment dans toutes les compagnies, on est des humains, on est des milliers et des milliers, donc... Il arrive que, pour X raisons, on ne soit pas en état d'exercer son métier à un moment donné du vol. Donc dans ce cas-là, il y a des procédures, c'est une procédure d'urgence, incapacité pilote. Et on peut faire appel à des membres d'équipage qui peuvent avoir des compétences particulières. En l'occurrence, ce steward, il avait fait une formation pilote, il était pilote, il cherchait même un emploi de pilote. En tant que pilote de ligne, en ce moment, c'était il n'y a pas très très longtemps, donc le marché de l'emploi pilote est un peu sinistré, donc il avait des difficultés à trouver, mais donc il était pilote. Donc il a été appelé au poste pour seconder la copilote et l'aider dans la gestion de l'avion. C'est vrai que pour le coup, gérer un avion de ligne tout seul, ça peut être compliqué. Ouais, ça peut être très compliqué. Même s'il n'y a pas de panne. Bon, alors après, s'il y a des pannes, alors là, ça devient très problématique. Il n'y a pas que les pannes. Les pilotes d'avant-guerre se prosternaient devant leurs trois divinités. La montagne, la mer, l'orage. Le relief, autant que l'eau, focalisait leurs craintes et leurs prières. Car dans les années 1930, la quincaillerie des gros moteurs à piston pouvait prendre subitement ses accents de casserole, annonciateur d'un avenir incertain. Le pilote devait être un mélomane. Les moteurs rendaient l'âme en premier, avant les hommes. Si de nombreux exploits ont jalonné l'histoire de l'aviation, une panne moteur au-dessus du relief ou de l'eau laissait peu de chances de survie. Quant à l'orage, animé par de violents courants verticaux déplaçant la masse d'air de bas en haut, fabriquant des glaçons, les recrachant un peu plus loin, pleurant toutes les larmes de la terre, criant sa folle colère, dardant ses éclairs jusque dans les cavités les plus profondes, ils étaient pour les pilotes pareils à une forêt moyenâgeuse, un espace interdit, soumis à des forces bestiales, incontrôlables et inconnues. En inventant l'avion, l'homme a certes transcendé sa destinée terrienne, mais il n'a pas totalement divorcé de la nature. Aujourd'hui encore, elle sait nous rappeler à l'humilité. La montagne et la mer ne nous font plus peur. Les progrès technologiques ont considérablement fiabilisé nos trajectoires, de sorte que nous traversons l'océan Pacifique en bimoteur et que nous survolons sans vergogne la cordillère des Andes. Si nous avons domestiqué nos peurs vis-à-vis du relief et de l'eau, l'orage restera encore longtemps cette forêt ténébreuse. L'avion ne peut s'y risquer sans crainte d'y laisser des plumes. Et comme tout objet tabou, l'orage exerce une fascination. Il existe sur la ceinture équatoriale de la Terre une zone appelée front intertropical. Les développements verticaux des nuages y sont si puissants que même à nos altitudes de croisière, 12 000 mètres, nous devons encore lever les yeux pour apercevoir leur sommet. On les nomme enclumes, en raison de leur forme et sans doute, j'aime à le penser, de la masse d'énergie qu'elles accumulent prête à s'abattre en albâtre sur nos têtes. Nous naviguons généralement à distance de ces mastodontes grâce au radar météo.
Revenant de Johannesburg, j'ai pu assister dans les environs de Libreville à ce déchaînement de force inouïe qui vous imprègne d'un mélange d'émerveillement enfantin et de terreur contenue. Tous les passagers dormaient paisiblement, tandis qu'aux quatre coins du ciel, pendant de longues minutes, un artificier azimuté allumait les neiges d'un feu électrique démentiel. Malheureusement, il n'est pas toujours possible de dérouler son vol paisiblement en admirant les cumulonimbus à distance. Que faire lorsque se présente devant nous une barrière de plusieurs centaines de kilomètres de large? Bon ou méchant nuage, la décision d'évitement est parfois difficile à prendre. Tous les nuages convectifs ne se valent pas, et la météo n'étant pas toujours aussi manichéenne que les vieux westerns. Le poteau noir nous cueille à chaque traversée de l'Atlantique Sud, sans mettre en péril la sécurité des centaines d'avions qui le traversent quotidiennement. C'est vrai. Ça laisse le La nature, bah oui, le rapport à la nature. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'avant, encore une fois, l'aviation des pionniers, bah, eux, ils passaient en dessous des nuages, enfin, en tout cas, sur la mer. Hein, ils volaient à des altitudes très, très basses, parfois 50 mètres, sans pilote automatique. Donc, c'est vrai que c'était encore une autre aventure, une sacrée aventure. Bon, nous, on essaie de passer au-dessus. Voilà, parce qu'évidemment, on évite de passer dedans. c'est le plus mauvais endroit. Mais bon, voilà, parfois, c'est vrai que c'est difficile d'éviter ça. Donc, bah, on troque avec la nature. On a un radar météo, on lui envoie des ondes. Et puis, les gouttelettes d'eau réfléchissent une partie des signaux. Et donc, avec un codage couleur, vert, orange ou rouge, on a des représentations, on va dire, du nuage. En sachant que... c'est uniquement les gouttelettes d'eau qu'on voit et pas les particules de glace. Donc c'est vrai que c'est une certaine couche qu'il faut trouver dans le nuage, puisque au-delà de ce qu'on appelle l'ISO 0, c'est bah, ici à Chamonix, vous connaissez bien ça, en montagne, l'endroit, l'altitude où ça commence à geler, eh bien au-dessus de cet ISO 0, on trouve de la glace. Donc si le tilt du radar, c'est-à-dire l'orientation du faisceau, est mal réglé, on peut rater le nuage. Voilà, donc le radar météo, c'est tout un art d'utiliser le radar entre les échelles de distance, le tilt, pour qu'on puisse identifier précisément ce qu'il y a devant nous. Et puis parfois, quand il y a des grandes barrières qui sont tellement grandes que finalement on peut pas en faire le tour, eh bien on essaye de trouver des failles, un peu comme dans un château fort, de trouver là où ça passe, quoi. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Je suis toujours surpris par l'image du pilote de ligne. Une idée largement répandue consiste à dire, de toute façon, vous n'avez rien à faire. Il suffit de brancher le pilote automatique. Donc, parle-nous de Georges. Georges, c'est un grand... Georges, c'est pas toujours mon copain. Il faut vous dire que c'est le surnom du pilote automatique. Voilà. Georges est le troisième membre d'équipage. C'est le pilote automatique, ou plutôt les automatismes, parce que... disons que le grand public connaît le terme pilote automatique, mais en fait un avion a plusieurs automatismes qui sont imbriqués les uns dans les autres et avec lesquels on communique par le biais de différentes interfaces. Et donc Georges, lui, dans le cockpit, il a son projet d'action. On lui dit au départ ce qu'il doit faire et puis il fait très bien ce qu'on lui a demandé de faire. Si on lui demande de foncer dans une montagne, ben Georges, il fonce dans la montagne, pas de problème. Donc, il faut bien qu'on soit tous les trois d'accord, le copilote, le commandant de bord et Georges, sur ce qu'on va faire, sur notre projet d'action. Sinon, plutôt que d'être une aide, eh bien, le pilote automatique va nous mettre des bâtons dans les roues et va devenir une gêne. Voilà, c'est pour ça que dans certaines circonstances, depuis qu'on est tout bébé pilote, on nous dit que si à un moment on ne comprend plus ce qui se passe ou qu'il fait, il faut débrayer le pilote automatique, débrayer Georges et puis retrouver à ce moment-là un avion qu'on va pouvoir gérer manuellement. Voilà, sauf que, en fonction des types d'avions, même quand on est en manuel, il se peut qu'on n'ait pas totalement les commandes. Voilà, ça c'est la subtilité de certains avions, notamment les Airbus, et qui, dans certaines circonstances, ne vont pas exécuter les actions qu'on exécute. Donc je vous cite un exemple qui s'est produit il y a un peu plus d'un an, en 2014, où il y a un A321 de Lufthansa qui faisait Bilbao, Francfort, je crois. Et puis après le décollage, pendant la phase de montée, il y a deux sondes d'incidence qui ont givré. Le Georges, évidemment, les automatismes, ils reçoivent des informations de différentes sondes, les sondes anémométriques, ce qu'on appelle les sondes d'incidence, notamment. Et généralement, il y a
3, c'est le bon nombre. Hein, parce que 2, si elles indiquent des valeurs différentes, on ne sait pas laquelle est la bonne. Alors que généralement, quand il y en a 3, s'il y en a 2 qui disent la même chose, c'est elles les bonnes. Sauf que ce jour-là, il y a des deux sondes qui avaient givré dans la même position. Donc l'automatisme a éliminé la dernière qui en fait était la bonne, croyant que les deux qui indiquaient la même chose étaient les bonnes. Bon, le problème c'est qu'elles étaient givrées. Elles étaient bloquées dans une position avec une incidence importante, donc les automatismes ont considéré que l'avion était proche du décrochage, et il y a eu différentes indications sur les instruments des pilotes, qui leur des indications anormales, donc les pilotes ont débrayé le pilote automatique, ils se sont dit, oula, il y a un truc qui n'est pas normal, je reprends la main, et puis là, l'avion s'est mis à piquer tout seul. Et ils ont tiré sur le manche, et George, il ne voulait rien savoir, et continuait à descendre. Et donc, ils ont perdu à peu près 2000 mètres comme ça, et puis ils ont fini par pouvoir voler en palier en ayant le manche complètement encadré pour que l'avion, lui, aille tout droit en palier, quoi. Et c'est qu'en arrivant près de Francfort, ils ont appelé la maintenance qui leur a... Bon, normalement, ça, c'est des procédures sur lesquelles on est quand même informé et qui indiquent dans ces cas-là de couper volontairement certains systèmes pour reprendre autorité sur les commandes. Voilà, c'est un petit peu technique, mais c'est pour vous dire que les automatismes, le pilote automatique, c'est pas un simple bouton sur lequel on appuie avant d'aller aux toilettes. C'est plus compliqué que ça et c'est vraiment quelque chose qu'il faut sans cesse. D'ailleurs, il nous dit dans quel mode il est à travers ce qu'on appelle le FMA, l'annonciateur de mode. Et puis, et voilà, il faut sans cesse interagir avec le pilote automatique, avec Georges. Il faut qu'on s'entende bien tous les trois. Voilà. Il me semble qu'en devenant adulte, notre imaginaire se rétrécit au fur et à mesure que s'étend notre territoire. À cette aune-là, reste-t-il une once de rêverie aux pilotes de ligne dans le jardin et planétaire ? Pour nous rassurer sur notre capacité à nous émerveiller, il existe heureusement sur cette terre certains aiguillons susceptibles de réveiller les instincts du voyageur le plus blasé. La ligne de changement de date, le point de non-retour, le point Nemo, forme ainsi une constellation dont le charme n'a pas fini de m'émouvoir. Traverser cette ligne, dépasser ces points donne le sentiment de franchir un obstacle comme un cavalier sautant par-dessus une barrière. Comme lui, on prépare l'approche, on en appréhende la proximité, s'interrogeant sur ce qu'on adviendra de l'autre côté. Mais comme pour le passage de l'an 2000, le temps continue de s'écouler indifférent et l'on glisse au-delà. On ne fait rien d'autre que de poursuivre tout droit. Ces repères ne nous bousculent que dans notre tête. Qu'est-ce que c'est que tous ces repères ? La ligne de changement de date, bah, c'est un truc merveilleux qu'on a défini la Terre tourne sur elle-même en 24 heures et donc, il faut à un moment donné changer de jour, il a fallu définir une ligne où on allait passer du lundi au mardi. Quoi. Voilà. Et donc, ce qu'il y a de rigolo dans cette ligne de changement, déjà, il y a des histoires rigolotes, c'est-à-dire que par exemple, quand Magellan, à l'époque où Magellan a fait sa première circumnavigation du globe, en 1522, la ligne de changement de date n'existait pas. Elle a été créée à la fin du 19e siècle, en 1884. Et donc, quand ils sont arrivés à la fin de leur voyage à San Lúcar de Barrameda en Espagne, leur carnet de bord, qui était, tenu de manière très rigoureuse par le personnel de bord, indiquait la date du 6 septembre, et localement, on était le 7. Ils avaient franchi la ligne de changement de date, mais sans corriger leur date. Donc, la ligne de changement de date a été créée, et puis du coup, c'est pas une ligne droite, mais c'est une espèce d'œuvre d'artiste comme ça, qui fait le tour des îles Kiribati, par exemple, parce qu'après, il y a des éléments politiques hein, aussi qui jouent. Les îles Kiribati qui font des échanges beaucoup avec la Nouvelle-Zélande, donc c'était problématique qu'elles ne soient pas à la même heure, au même jour que la Nouvelle-Zélande et l'Australie, donc on a déplacé la ligne. Voilà, si vous regardez sur Wikipédia, vous verrez qu'il y a toute l'histoire de la ligne de changement de date qui est comme ça décrite. Après, le point Nemo, c'est un point extraordinaire, c'est le pôle maritime d'inaccessibilité, c'est-à-dire que c'est le point des océans le plus éloigné de toute terre émergée. Il est dans le Pacifique Sud, et il y a une ligne aérienne qui passe pas très très loin, c'est la ligne qui va de Auckland à Buenos Aires, et qui est la ligne la plus australe au monde, puisqu'elle passe dans l'océan Pacifique Sud.
Voilà. Et le point de non-retour, c'est un point qui a vraiment une signification aéronautique et qui nous indique en fait le moment, si on fait par exemple un Paris-New York, le moment où on ne pourra plus revenir se poser à Paris. Voilà. Et donc, symboliquement, moi, voilà, ce qui m'intéressait dans ces points-là, c'était que ce que ça représente, parce que finalement, si on regarde dans nos vies, les points de non-retour, il n'y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup de choses qu'on peut remettre en question. Mais il y a des choses, comme par exemple le fait d'avoir des enfants, c'est un point de retour. Une fois qu'on a des enfants, c'est pour la vie qu'on a des enfants. Voilà, donc il y a quelques petites choses. Quand on saute d'un avion en parachute, on ne peut pas remonter dans l'avion. C'est fini, c'est foutu. Et il faut atterrir. Et voilà, il faut atterrir. Et c'est vrai que quand on est dans un avion, on ne peut pas rester en l'air. Il y a un moment où il faut... Donc quelque part, le métier en lui-même nous engage vers un point de non-retour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, profitez-en. Là, on a survolé déjà une bonne partie du livre. Là, ce dont vous parlez tout à l'heure, là, le pilote automatique qui se bloque, c'est un peu ce qui s'est passé pour l'avion qui s'est fait écraser là, au nord du Brésil à Paris. Le Rio Paris. Le Rio Paris. Alors non, c'est pas exactement ça. Le Rio Paris, je décris cet accident dans mon livre. Il y a un chapitre qui s'appelle l'oiseau de pierre. Parce que c'est vrai que tout ce qu'on a lu jusque-là dans les médias était souvent écrit par des journalistes qui n'étaient pas des pilotes. Et c'est vrai que comme tous les accidents, c'est un événement où il y a une conjonction de plusieurs éléments. Un accident, c'est très rarement un seul élément. Hein. Et donc on a beaucoup pointé l'erreur du pilote dans cet accident. Ça revient très souvent. Moi, je voulais aller un petit peu plus loin et montrer que c'était pas si simple que ça. Ça a commencé, c'est un chapitre qui est assez technique, c'est le plus technique de mon livre. Peut-être que les gens qui ne sont pas très à l'aise avec la technique devront le lire plusieurs fois pour bien comprendre, mais j'ai essayé vraiment d'être le plus simple possible tout en n'écartant aucune des problématiques. Voilà. Un élément important qu'il faut comprendre, c'est quand on approche du décrochage. C'est un avion qui a décroché en croisière, en pleine nuit, ce qui nous a tous un peu sidérés, parce que évidemment, on sait tous qu'un avion peut décrocher. Mais c'est vrai que à l'époque, moi je me souviens, quand l'accident est arrivé, j'ai volé sur 330 pendant des années. Je me suis dit, mais c'est incroyable, en 4 minutes, comment ils peuvent se retrouver au tapis en 4 minutes au milieu de l'océan? Et donc on était vraiment dans l'incompréhension en fait. Et les pilotes ce soir-là n'ont pas du tout compris ce qui leur arrivait. Et dans ces circonstances-là, je pense que l'avion doit nous aider. L'avion doit nous aider à sortir d'une situation délicate. Et ce qui s'est passé ce soir-là, c'est exactement l'inverse. À mon sens, l'avion les a enfoncés dans l'incompréhension à cause de différents éléments liés à sa conception. Voilà. Et donc, l'Airbus A330, c'est un avion particulier. Les Airbus en général sont des avions qui ont des modes de pilotage un peu différents d'un avion classique. Et l'approche du décrochage, alors le décrochage, vous ne savez peut-être pas ce que c'est, mais disons qu'un avion, quand il vole, il lui faut une certaine vitesse pour voler. S'il réduit sa vitesse de manière trop importante, au bout d'un moment, il n'est plus porté, il n'est plus tiré vers le haut par cette force qu'on appelle la portance, qui permet à l'avion de voler, et puis il tombe comme une pierre. Donc à ce moment-là, la procédure, c'est d'aller piquer, de faire piquer le nez de l'avion, de piquer vers le sol pour reprendre la vitesse, raccrocher les filets d'air sur l'extrados de l'aile, sur le dessus de l'aile, et donc recréer cette force. Un décrochage n'est jamais, définitif, là, pour le coup. Ça peut toujours être rattrapé, un décrochage. Voilà. Mais... sur l'avion sur lequel je vole aujourd'hui, le Boeing 777, si on veut décrocher en croisière en réduisant la puissance des moteurs, il faut tirer sur le manche, il faut exercer un effort physique. On ne peut pas décrocher par hasard, parce qu'il va falloir forcer à bout de bras pour faire cabrer l'avion, puis au bout d'un moment décrocher. Dans les circonstances de l'accident du Rio Paris, les pilotes n'ont pas eu à produire un effort sur le manche pour décrocher. Parce que la conception de l'avion fait que sans effort, on peut décrocher. Sans s'en rendre compte, du coup, puisqu'il n'y a plus à exercer une force importante. Alors il y a des alarmes, évidemment, il y a des alarmes qui vont nous dire oula, vous êtes en train de décrocher. Mais il n'y a pas de sensation physique. Et selon moi, cette privation de sensations physiques est un élément qui a eu un rôle important.
Voilà. Après, il y a d'autres points techniques de la conception de l'avion qui viennent se rajouter à ça, notamment le fonctionnement de l'arme de décrochage. Voilà. Mais c'est vrai que oui, c'est un accident qui nous a beaucoup marqué, enfin, qui, je pense, a marqué beaucoup de gens en France et forcément la communauté aéronautique. Et d'ailleurs, l'histoire n'est pas finie. Hein. Le rapport du BEA est sorti, mais le procès n'a pas encore commencé. Donc on va encore en reparler. Ça prend énormément de temps. C'est déjà en 2009, ça fait bientôt 7 ans. Le procès n'a toujours pas commencé. Pardon. Une autre question. Oui. Est-ce que vous avez revu le pilote incident de... Non, je ne l'ai pas. Alors, j'ai recroisé une fois. Qu'est-ce qui s'est passé à l'arrivée? Alors, à l'arrivée, ben, oui, c'était intéressant quand même parce qu'on a dégagé la piste et puis il m'a dit, ce qu'il y a bien dans notre métier, c'est qu'on se remet tous les jours en question. On était tout. Si, si, on était voir un coup ensemble. On n'a pas reparlé du vol vers Vienne, qui était ce vol un peu le précurseur, on va dire, de cet incident. Mais on l'avait tous en tête. Il n'y avait pas besoin d'en parler. On savait pourquoi on en était arrivé là. Et donc, je pense qu'il a compris de lui-même. Vous savez, quand on est commandant de bord et qu'on se fait reprendre les commandes par un copilote, déjà, ça calme un peu, quoi. Et puis, en plus, quand ce copilote, 3 mois avant, lui a dit, bon, peut-être que tu sois un peu plus... tu t'intéresses un peu plus à ton métier. Bon, là, il n'y a pas besoin d'en parler, quoi. Mais cela dit, juste une dernière chose là-dessus. Moi, aujourd'hui, ça, c'est important, il faut rester humble, hein. Moi, c'est une des choses que je dis à mes copilotes quand je vole avec eux. S'il y a quelque chose qui ne te plaît pas et que je ne réagis pas, non seulement tu peux, mais tu dois me reprendre les commandes. Hein. C'est, voilà, si un jour je pilote l'avion et que je vais pour me poser et qu'il pense qu'il faut remettre les gaz pour X raison et qu'il me reprend les commandes, on en discutera après, mais c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. De toute façon, dans certaines circonstances, on n'a pas le temps de discuter. On agit, et puis après, au bar de l'escadrille, on va en discuter, mais voilà. Au port de la bière de glace. Les passagers n'ont rien vu, rien entendu. Non, là, c'est vraiment. Ouais. Non, pour les passagers, c'est totalement. C'est un vol normal, quoi. Tout va bien. Ouais. Il y a beaucoup de vols, c'est vrai que c'est pas pour. Il y a récemment des gens qui m'ont fait des retours sur le livre me disant que ça les avait rassurés. Et pour moi, c'est un beau compliment parce que je pense que malgré tout, on a peur de l'inconnu. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Beaucoup de gens ont peur en avion. Et je pense qu'une des vertus de ce livre, hein, ça sera de lever le voile. Alors, je n'occulte pas les dangers. Hein. Évidemment, c'est une activité à risque. Et donc, mais par contre, je décris comment on essaie de s'y prendre pour faire en sorte que ça se passe, malgré tout, l'immense majorité des cas, bien. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et le choix de vos partenaires alors dans le cockpit, là, oui. Ça peut être des gens qui parlent notre langue aussi Dans un cockpit Air France, on est tous francophones. Ah oui, quand même. Ouais, on parle tous français. Après, il y a des Belges. Hein. Bon, pas beaucoup, toujours. Des Suisses. Bah, des Suisses. Pas beaucoup des Suisses, pas mais beaucoup. Des Belges, pas mal. Ah ouais. Il y a, voilà, mais il y a quand même surtout des Français. Oui. Par contre, dans les compagnies anglo-saxonnes, dans les compagnies du Golfe, par exemple, aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï, il n'y a pas l'aviation. C'est pas du tout culturel hein, chez eux, tout vient d'ailleurs. C'est beaucoup d'anglo-saxons qui pilotent les avions chez eux. Donc là, le langage commun, c'est l'anglais. Et par contre, il y a beaucoup de nationalités différentes. Ouais. Ça, c'est quand même, dans beaucoup de compagnies, c'est comme ça. À la Lufthansa, ils parlent allemand, mais ils parlent anglais. Cela dit, nous aussi, hein, de plus en plus, dans le registre technique, par exemple, parce qu'il faut voir que... Il faut savoir que dans un avion, il y a un peu de registres. Il y a le registre humain, amical, entre nous, et puis il y a le registre technique. Il y a tout un tas d'annonces qui sont prévues, voilà. Et tout ce registre technique, c'est en anglais. Et malgré tout, vous n'avez aucune possibilité de choix de collègue. Alors, si, on peut faire des desiderata, c'est-à-dire on peut
demander à voler avec un collègue pour le mois suivant, demander un vol avec un copain. Ouais. Ça, c'est possible. Ouais, tout à fait. Après, il y a des histoires de points, de séniorité, etc. Voir si réellement ça sera possible, parce que peut-être que ce vol-là intéresse un autre collègue. Donc, il y a des règles pour que ça puisse se passer bien. Au niveau de la sécurité, est-ce que tu penses qu'il vaut mieux que vous connaissiez ou qu'au contraire, vous ne connaissiez pas? Ouais. Parce alors que trop se connaître, tu vois, après, dans les copines, enfin, moi, je vois bien comment ça se passe. Un peu de copinage, on blague un peu, fou, t'as peut-être pas, enfin, t'es peut-être un peu moins concentré aussi, oui, tu tout vois. Tout à fait, non, mais c'est parce une bonne que question. Tu connais la réaction de l'autre, donc t'es peut-être. Quand on se connaît trop bien, ça peut en effet être problématique. Ouais. Parce que d'une part, on a peut-être un peu plus de réticence à faire une remarque à l'autre, même si c'est pas une remarque désobligeante, mais simplement. De faire ci ou de faire ça, on a plus tendance en effet peut-être à se relâcher si on connaît très bien l'autre. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on mixe les équipes. Enfin, c'est pour ça. Ouais. Disons que le fait de mixer les équipages, c'est un facteur de sécurité. Et puis aussi, hein, on peut voler avec des gens avec lesquels on s'entend bien, et puis aussi des gens qui ne seront pas nos copains. Quoi. Voilà, ça c'est des questions d'affinité humaine. Hein. Donc quand on vole avec quelqu'un avec lequel, bon. On n'a pas envie de repasser 12 heures de sa vie dans 3 mètres carrés, ben c'est bien parce que du coup on ne le reverra jamais. Quoi. Donc finalement c'est pratique. Façon de fonctionner. Dans une petite compagnie, on est obligé de revoler toujours avec les mêmes personnes. Donc c'est différent. C'est différent. Dans les compagnies locaux, le métier est exercé de la même façon. Alors les fondamentaux, on va dire, les fondamentaux du métier sont les mêmes. La formation est globalement similaire. Après, ce qui change, il y a plusieurs choses qui changent dans les compagnies low cost. C'est d'une part la quantité d'heures de vol, c'est-à-dire que grosso modo, ils volent quand même plus que dans une compagnie comme Air France, et donc ça peut engendrer de la fatigue, notamment sur le long courrier. Hein. Le long courrier, c'est très fatigant. Hein. Quand on part un coup à Tokyo, après à Los Angeles, à Osaka, à Pointe-à-Pitre. À la fin du mois, on est plus très frais. Et donc, voilà, le fait de cumuler les heures de vol est évidemment l'intérêt hein, de la réglementation. De toute façon, souvent, elle ne fait que baisser pour pouvoir rentabiliser au maximum les équipages. Donc, ça, à mon sens, ça peut être un problème. Et puis, il y a un deuxième problème qui est, à mon sens, beaucoup plus important. C'est que le fait que l'économie vraiment prenne le dessus, l'économie et la sécurité des vols, c'est toujours un débat un petit peu délicat. C'est-à-dire qu'il y a, voilà, il y a les gens qui vont dire la sécurité des vols n'a pas de prix, et puis ceux qui dirigent la compagnie, en fait, ils disent que la sécurité des vols n'a pas de prix, mais en fait, si, elle a quand même un prix. Il y a quand même des choses qu'on n'est pas prêt à faire, à balancer de l'argent sans compter, même pour la sécurité des vols. Et par exemple, il y a des compagnies qui font pression sur les équipages pour ne pas prendre trop de carburant. Quand on part en vol, on ne fait jamais le plein. Hein. Ce n'est pas comme une voiture, un avion, on ne passe pas à la pompe pour remplir les réservoirs. On prend juste ce qu'il nous faut. Parce que chaque tonne de pétrole qu'on prend en plus, on va consommer du carburant pour la transporter. Donc, il faut évaluer nos besoins en fonction des circonstances. S'il y a de la neige, eh ben, on va prendre plus de pétrole que s'il fait très beau. Les conditions météo, la charge, il y a tout un tas de paramètres. Cette décision, normalement, elle appartient à l'équipage, en bord. Mais je sais que dans certaines compagnies, il faut justifier. Au-delà d'une certaine quantité, il faut faire un rapport. Et donc, si le même pilote, il fait 3 rapports dans le mois, on va venir toquer à sa porte pour lui dire, bon, il faudrait peut-être qu'au niveau du pétrole, tu te calmes un peu, tu te calmes un petit peu, quoi. Tu nous coûtes trop cher. Voilà. Donc ça, c'est un problème. Et puis aussi, un problème très important qu'on voit surgir, bon là, on n'est plus vraiment dans le livre, mais c'est intéressant, c'est le débat autour de l'aviation, c'est que... Je sais, par exemple, à Ryanair, l'essentiel des pilotes ne sont pas des salariés de la boîte. Ce sont des indépendants, c'est des travailleurs indépendants qui sont embauchés par des brokers, qui sont évidemment basés dans les paradis fiscaux, et qui viennent travailler pour Ryanair. S'ils ont besoin, si Ryanair a besoin d'eux, ils les prennent. Quand ils n'ont plus besoin d'eux, ils n'ont pas à les virer vu qu'ils ne font pas partie de l'entreprise. Mais donc, du coup, ne faisant pas partie de l'entreprise, ils ne sont pas en position de refuser quoi que ce soit. S'ils refusent quoi que ce soit, qu'on les mute le lendemain sur telle base, qu'ils fassent tel vol en plus, etc. Bah, on leur dit, bah, ouais, t'es gentil, mais bon, on n'a plus besoin de toi. Quoi. Ils n'ont pas de pratique, s'ils sont embauchés que
temporairement. Non, bah, c'est-à-dire que il faut de toute façon une expérience récente, ils en ont, mais ils sont, quand je dis temporairement, ils peuvent être embauchés pendant des années, temporairement. Ah, ouais. Après, ils peuvent être embauchés pour quelques mois, c'est sûr, mais ça peut être aussi des années, ou c'est saisonnier. Ouais. Pour la pointe d'été, ils prennent plus de gens, et puis en hiver, un peu moins. Mais, et ça, c'est un petit peu la tendance. Hein. Même Air France KLM, qui va créer par le biais de Transavia une base à Munich, fait appel pour le recrutement des pilotes à un broker, ce qui est une dérive qui est dénoncée aujourd'hui par le syndicat de pilotes, parce qu'il y a à peu près 20% qui vont être des gens qui ne, sont pas, qui ne seront pas salariés de la structure et qui donc seraient embauchés par le biais, voilà, sans constater qu'au niveau social et fiscal, etc., ça pose aussi problème, ça pose un problème de concurrence déloyale. C'est plus facile de gagner de l'argent quand on est basé à l'île de Man qu'en France. Et pourtant, c'est les mêmes clients qu'on transporte. Qui payent le même prix. Qui payent le... Voilà, ouais. Alors bon, ils vont... Ouais, du coup, non. Ils ont la même réglementation, ils ont l'obligation d'être deux. En Europe, ils auront la même réglementation, mais en réglementation, il y a un plancher réglementaire qui est défini dans des textes européens. Après, chaque pays peut mettre un petit supplément. Et puis après, des compagnies choisissent leur propre règlement. Par exemple, Air France, on a un manuel d'exploitation qui est déposé à la Direction Générale de l'Aviation Civile, et dont les réglementations sont plus contraignantes que le plancher. On a des conditions qui sont plus favorables. Après, Lufthansa, par exemple, on disait que... C'est à peu près équivalent à Lufthansa, ouais. C'est à peu près équivalent, mais c'est sûr que par rapport à EasyJet ou Ryanair, les compagnies du Golfe, oui, il y a un décalage de conditions de travail sur certains éléments, ouais. Donc c'est un vaste sujet. Voilà. Je voudrais revenir sur le problème qu'il y a eu à la Lufthansa avec ce pilote qui a eu des problèmes psychiatriques. German Wings. Oui, German. Et je voulais savoir comment vous étiez suivi sur le plan médical, comment ça se passait. Alors entre autres pour ces pilotes qui ne font pas partie de compagnies. Alors là-dessus, les plus en avance, ce sont les Américains. Qui ont mis en place en fait des systèmes indépendants des compagnies pour pouvoir assister en fait des pilotes qui seraient dans des situations délicates. C'est vrai qu'en France, il y a des choses qui ont été mises en place déjà depuis plusieurs années. Par exemple, on a un numéro de téléphone qu'on peut appeler, qui sont des collègues d'autres pilotes qui ont eu une formation particulière. Et qui peuvent être à l'écoute de nos problèmes. Ils ne sont pas là pour juger, on peut leur dire n'importe quoi, ils n'ont pas de liaison hiérarchique ni quoi que ce soit. C'est des collègues à nous. Hein. Mais voilà, ça ne va pas être un traitement psychologique. Mais par exemple, si moi j'ai vécu un incident qui m'a marqué, est-ce que je vais aller en parler à mon chef? Ça dépend quel événement. Par contre, je sais que si j'appelle... la personne qui travaille pour cette structure, je pourrais tout lui dire et on aura confiance puisque lui, il dira rien à personne. Donc ça permet d'avoir un réceptacle, on va dire, aux différents problèmes qu'on pourrait rencontrer. Après, au niveau médical, on passe une visite médicale au centre de la médecine aéronautique qui est indépendant de l'entreprise. Mais c'est ce qu'on disait, ça a été soulevé lors de cet accident, c'est qu'un pilote qui ne se sent pas bien, il ne va pas aller là où on va lui valider sa licence pour dire bah, « en fait, je suis un malade mental ». Sinon, on ne va pas lui donner sa licence, donc il ne le dira pas. Et donc ça, c'est plus un suivi cardiaque, électroencéphalogramme, prise de sang, etc. Donc là, tous les ans, on passe des visites médicales, plus que psychologiques. Après, l'aspect plus psychologique dans une entreprise comme Air France, ça pourrait être la médecine du travail, mais la médecine du travail est un petit peu partie prenante aussi. Donc, cela étant dit, moi je connais des collègues qui ont eu parfois des problèmes, alors bon, rien à voir avec des tendances suicidaires, etc. Mais on peut tous traverser des moments un peu où on est moins bien, voire un peu de dépression ou de déprime. Bon, ben, ils sont pris en charge, ils sont arrêtés de vol. Et l'entreprise fait en sorte qu'ils puissent revoler quand ils l'estiment possible. Voilà.
Et il existe des structures pour traiter ce genre de cas. Mais surtout, on peut être arrêté de vol sans être licencié et sans avoir l'obligation de voler. Là, ça, hein, vous imaginez bien quelqu'un qui est embauché par un broker pour travailler pour Ryanair. S'il veut avoir son salaire à la fin du mois, il faut qu'il aille bosser, hein, quelles que soient les conditions. S'il va voir son patron en lui disant ouais, je me sens pas très bien, bah, quelqu'un d'autre prendra sa place. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, bravo. Merci d'avoir travaillé. Avez-vous éducation au livre.